L'œil du patriote du lundi 1er février 2021 à lire sur www.info-apareco.com. Flash. Édouard Mokoloa Pombo et François Béya bientôt en mission spéciale au Maroc. Deux dossiers. Honoré Nguanda et rapatriement de la dépouille du maréchal Mobutu. Une source présidentielle, digne de foi, vient d'alerter la rédaction de L'Œil du Patriote pour l'informer qu'à l'issue d'une réunion tenue à la présidence de la République autour de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, ce dernier a décidé de dépêcher au Maroc, au courant de cette semaine, du 31 janvier au 6 février, probablement le mardi 2 février, une étrange délégation de sécurité. Elle est en effet composée d'un duo insolite. D'un côté, Édouard Mokoloa Pombo, au cadre du PPRD et stratège de Joseph Kabila, ancien vice-président du Sénat et plusieurs fois chef des services spéciaux sous le maréchal Mobutu, et de l'autre côté, François Béa, actuel conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Selon la source, cette mission spéciale porterait sur deux sujets. L'intervention du roi de Maroc auprès de la famille Mobutu pour faciliter l'autorisation du rapatriement de la dépouille du maréchal Mobutu à Kinshasa et l'intervention du souverain chérifien pour stopper l'activité politique d'Honoré Nguanda qui crée un climat de tension dans les relations de Kinshasa avec Kigali. Félix Tshisekedi compte ainsi mettre en balance son soutien au Maroc pour le dossier Polisario ainsi que sa qualité de président en exercice de l'Union africaine pour revendiquer la paix régionale avec ses voisins. Un diplomate marocain que nous avons interrogé en Europe à ce sujet nous a répondu en souriant. Les deux dossiers risquent d'être sans objet. D'un côté, le rapatriement de la dépouille du maréchal Mobutu relève de la responsabilité exclusive de sa famille biologique et je doute fort que le roi accepte de s'y mêler. Et en ma connaissance, le Maroc n'a jamais eu, ni de près ni de loin, un contact politique ou privé avec M. Honoré Nguanda après la mort du maréchal Mobutu, et nous ignorons tout de lui. L'œil du patriote suit donc cette nouvelle épopée, s'il en est une. Cependant, les Congolais peuvent constater que les vérités graves révélées par un fils du pays sur l'infiltration de nos services de sécurité et du renseignement par le Rwanda jusqu'au plus haut sommet, y compris l'institution suprême, président de la République, ces faits gravissimes ne semblent pas préoccuper le moins du monde la conscience de Félix Tshisekedi pour qui il faut plutôt stopper l'homme qui gêne ses relations avec le Rwanda, à savoir M. Honoré Nguanda. Paris, le 1er février 2021, Candide Okeke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com. Yonani, okamata bakongole en otage.